Salut tout le monde, c'est Spinner. On se trouve pour un nouveau test, celui de The Terminator sur Super Nintendo, donc qui est un jeu d'action sorti en 1992. Et vous aurez également à la fin de ce test ma critique du film Terminator Dark Fate ou Terminator 6. Donc c'est un jeu assez obscur, hein. Peu de personnes le connaissent, en tout cas sur la version Super Nintendo. Il a une version Mega CD qui est vraiment très bonne, beaucoup plus sympa que celle-ci. Donc c'est un jeu assez terne, hein. Je vais pas jouer sur le suspense, hein. C'est pas un jeu que je tiens dans mon cœur, loin de là. J'ai découvert il y a quelques années, hein. C'est pas un jeu d'époque, pas comme le Terminator 2 Judgment Day que je vous avais déjà testé sur la chaîne. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai un petit peu découvert par hasard sur la Recalbox, hein. Je faisais un petit peu le tour des jeux Super Nintendo et je suis tombé mais sur les jeux de Terminator, il y avait ce fameux The Terminator. Je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je connaissais déjà la version Mega CD, donc. Le jeu est quand même totalement différent, que ce soit graphiquement, dans la jouabilité, dans les musiques, dans tout en fait. Donc cette version est vraiment à part. Je suis quasiment sûr, allez, 80% que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Donc je vous l'ai dit, moi un jour j'ai cliqué dessus, je voulais savoir ce que c'était. C'était un petit peu la douche froide, hein, quand le jeu a démarré. Alors, donc là on se retrouve dans le futur. Donc vous voyez par vous-même, hein, tout est sombre, tout est détruit. C'est la désolation, c'est l'apocalypse, on a des Terminators un petit peu partout, des Terminators en mode humain aussi. Vous voyez, à chaque fois qu'on leur tire dessus, ben, ils se transforment petit à petit en endosquelette. Donc en version métal. Donc ça c'est plutôt bien réussi, je trouve. Au moins ils ont fait l'effort de mettre les deux versions dans le jeu. Donc je vous rassure tout de suite, le jeu ne se passe pas entièrement dans le futur. Hein. Il suit bien la trame du premier film. Donc on va se retrouver après dans le. Enfin dans le présent. Dans les années 80, 82 ou 84, je ne sais plus. Et puis on va suivre l'histoire du premier film au fur et à mesure, donc vraiment dans les très très longues lignes. Ne vous attendez pas à un jeu très long, il se finit même assez rapidement. Donc je l'ai terminé en trichant mais comme un porc. Hein. Je sais, les safe states, c'est le mal, mais j'avais comment dire, j'avais pas envie de me prendre la tête sur ce jeu, hein. J'avais pas envie de m'investir. Moi, ce qui me choque un peu dans le jeu, c'est les sauts. Regardez le personnage, on dirait que les sauts n'ont pas été animés ou presque. C'est Donc là, on va utiliser la petite grenade pour péter ce truc au sol. Donc faut faire attention quand on s'approche trop près, en fait, il nous saute dessus, en fait, ce truc, et ça nous explose à la gueule. Donc la barre de vie, elle est en haut à droite. Donc là que j'ai 4 cœurs. Enfin, 4 carrés plutôt. C'est vrai que ça change. Donc on a du scoring, hein, en haut à gauche. Et les bombes que je lance, bah, c'est le chiffre 12, hein, je crois que c'est un G de grenade. Donc voilà, donc on peut upgrade l'arme principale, hein, l'espèce de fusil ou le laser, on sait pas trop ce que c'est. Donc je devrais pouvoir réussir à le faire dans cette vidéo. Vous voyez que ça tirera beaucoup plus, il y aura plus de rafales en fait qui sortiront du canon. On aura également des missiles qui seront comment dire, numérotés. On n'en aura pas à l'infini, un petit peu comme les grenades. Donc pareil, je devrais en récupérer dans ce niveau-là. Vous voyez qu'à première vue, c'est pas si dégueulasse, à part l'animation du personnage qui est plus que limite. Graphiquement, vous voyez qu'il y a un minimum de travail sur le mur en fond là. Il y a un premier plan également, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les musiques sont quasiment inexistantes. Après, on est dans un jeu post-apocalyptique, donc c'est peut-être un peu normal qu'on ait pas trop de musique. On a plus des musiques d'ambiance et puis le reste, bah, c'est le son du pistolet. J'ai envie de vous dire presque heureusement parce qu'ils avaient une fâcheuse tendance à l'époque à mettre des musiques qui prennent la tête rapidement dans ces types de jeux. Vous voyez que tu vas jouer 15 minutes, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir envie d'arrêter. Tu auras peut-être encore envie de jouer, mais la lassitude qui te rentre dans les oreilles va te faire arrêter. Donc pour moi, c'est pas vraiment un mauvais point, hein, qu'il n'y ait pas vraiment de musique ou juste des musiques d'ambiance. Bon, ce qui peut prendre la tête, c'est la musique du canon, hein, puisque ça ne s'arrête jamais. Ouais, bam, 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 bam. Pendant tout le jeu, tu vas entendre ça. Donc peut-être que tes oreilles vont s'y habituer à force. Moi, ça me rentre vite dans les tripes, tu vois. Je peux pas jouer continuellement à ce type de jeu. Il faut vraiment que le jeu soit excellent. Un peu comme Contra Spirit. Donc, il n'y a même pas débat entre les deux. Hein. Ce jeu est mauvais à côté de Contra. De toute façon, Contra, pour moi, c'est la référence sur Super Nintendo. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, la difficulté est en somme correcte. C'est-à-dire que si tu prends ton temps, tu vas y arriver. Si tu te dépêches comme je le fais actuellement, bah tu vas crever, tu vas perdre de la vie, tu vas pas aller loin dans le jeu. Et il faut pas hésiter, voyez, ce que je viens de faire là, il faut pas hésiter à le faire régulièrement dans le jeu. Monter les échelles, revenir en arrière, essayer de récupérer les différents items, c'est très important dans le jeu, puisque vous voyez qu'on perd de la vie quand même assez facilement. Mais normalement, il faut jouer comme ça, vous avancez tout doucement, voyez, la petite main là qui dépasse.
Il faut avancer tout doucement, si tu prends ton temps. Si t'avances de 2 mètres, tu te baisses, tu tires. T'avances, tu te baisses, tu tires. Tu vas t'en sortir assez facilement. Le jeu n'est pas bien compliqué. Il est très court également. Je pense que tu peux le finir en une heure lorsque tu connais le jeu. Donc moi, je pourrais pas vous dire exactement. Je l'ai fait qu'une seule fois et je vous dis, je sauvegardais régulièrement après chaque passage. Donc, je ne le possède pas. Hein. C'est pas un jeu que j'ai en boîte. Je vous avoue que j'avais quand même regardé pour voir s'il y avait moyen de l'acheter ou pas. Mais non, ça me tente pas. De toute façon, les jeux Terminator, en règle générale, sur Super Nintendo, c'est pas des hits, hein, loin de là. C'est même des jeux Terminator tout court. Hein. Il y a très peu de bons jeux, il y a plus de mauvais que de bons. Même si c'est un jeu Terminator 3 qui est vraiment très bon sur PlayStation 2, que je vous ferai peut-être un jour. Voyez qu'il y a quasiment pas de bruit. Hein. Une petite musique d'ambiance en fond, c'est tout. Je vous laisse écouter un petit peu. J'ai l'impression que la musique reboucle vraiment très vite. Puis le son est tellement faible que les bruits des coups de feu ben, passent par-dessus. Donc on peut pas se. Là, le seul effet qui est sympa, je vais vous le montrer tout de suite. Vous l'avez déjà vu en début de vidéo, mais vu que j'étais en train de parler, je me suis pas coupé. Regardez les yeux du Terminator. Là. Voilà, c'est le seul truc sympa du jeu au final. Voilà, ils auraient peut-être pu faire plus de trucs comme ça. Là, c'est limite un peu flippant. Tu vois, des yeux rouges, tu te doutes que c'est un Terminator. Mais en tant que mise en scène, bah, c'est juste excellent. C'est juste énorme. Alors attention, celui-là, il faut se le faire. Vous voyez que j'ai déjà upgrade le pistolet, hein. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais je tire beaucoup plus de rafales, plus de balles à la fois. Donc je pense que j'essaierai de vous montrer des environnements, les autres, deux ou trois autres environnements du jeu, puisque je pense pas qu'on dépassera celui-ci. Ça sert à rien de faire un jeu trop long, hein. Je vous dis, le jeu est déjà comme ça, c'est court, et puis ça reste répétitif, on va juste changer les environnements, mais au final ce sera la même chose. Donc on se battra par la suite contre des humains, donc il y aura bien évidemment le Terminator, hein. On aura des phases en course-poursuite, en voiture vue de dos, c'est plutôt pas mal ça. Vous voyez cette saloperie là qui te court après. Pareil les grenades, faut faire attention, hein, parce qu'on en a vraiment pas à l'infini, il m'en reste deux là par exemple. Par contre, on peut sauter par-dessus ses ennemis, hein. Ils ne sautent pas, donc c'est jouable de les esquiver sans utiliser de grenade. Alors voilà, j'ai presque fait le tour du jeu, on n'a pas trop parlé des graphismes. Il y a minimum de détails, mais ça reste quand même semblable à de la Nintendo, hein, on va pas se mentir. Ah, je crois qu'on va encore avoir un effet sympa là avec les yeux du Terminator, voilà. Donc c'est toujours le même, hein, ils se sont pas pris la tête. Ils pourraient peut-être dire une fois dans l'autre sens, pardon. Tir au toto. Hop, on récupère de la vie. Et on devrait pas tarder à arriver au second niveau, donc qui se passera en Jeep. Hop, on va essayer de canarder tout le monde à l'écran, on va essayer de toujours les mêmes, hein, les mêmes habits. Donc les fringues du personnage ont changé. Donc on joue avec Kyle Reese, hein, évidemment, ça vous l'aurez compris. Hop, donc là je sais plus s'il y avait quelque chose à l'arme, bon, on s'en fout, on va avancer. Hein, de toute façon, on n'est pas là pour faire. Voilà, j'ai fini le premier niveau. Donc le deuxième, hop. Ah mais c'est la même chose les gars, il n'y a pas de différence, c'est génial! S'il y aura une petite différence parce qu'on va rentrer dans une Jeep et vous allez voir que l'effet est assez cool. On va attendre qu'elle arrive. Voilà, marche arrière le truc. Hop, et c'est parti. Donc le but ce sera de canarder les vaisseaux, donc ça j'ai vraiment adoré. Donc ça change, on n'est pas toujours à pied, donc c'est pas évident. Il faut essayer de le buter assez rapidement puisqu'il nous touche facilement avec ces espèces de boules oranges là. Donc déjà j'étais full vie donc ça va m'aider pour essayer de le passer du premier coup. Vous voyez les hélices du vaisseau sont assez bien réussies, il est bien animé en tout cas. C'est pas juste une image fixe qui se balade dans les airs, mais un petit peu comme là, hein, là il bouge pas. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je le trouve très réussi. Puis bon, faut aussi parler des bons points du jeu, hein. Il n'y en a pas toujours dans ce type de jeu. Donc voilà, donc là c'est réussi, donc c'était du tout juste, hein. Il me restait un carreau de vie. Un carré de vie, pardon, et on repart dans le même environnement, donc c'est assez lassant. Hop, on va tuer tout. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. N'attendez rien de plus ou de neuf. C'est les mêmes ennemis qui vont revenir. Donc là, on va monter, récupérer les items. Je vous invite vraiment à le faire si vous décidez à faire le jeu. Sinon, voilà, graphisme, la Super NES peut largement faire mieux. Les musiques sont quasiment inexistantes, mais pour moi ça c'est pas un défaut. Les bruitages, les canons, bah, c'est du basique, hein. C'est ce qu'on a dans la plupart des jeux de shoot. Et puis bah voilà, c'est tout, hein, maniabilité. Bon, le personnage se manie quand même assez bien, il est très réactif. On peut pas dire qu'il soit lourd non plus. Il a un petit peu un balai dans le cul quand il saute, mais bon, à part ça, bah, ça passe.
Donc comme d'hab, si vous avez des questions supplémentaires à me poser sur le jeu, la partie commentaire est faite pour ça. J'essaierai de vous répondre assez rapidement. Sinon, je peux pas vous dire que je conseille le jeu. Hein. C'est vraiment si vous êtes fan de la licence Terminator et que vous avez fait le tour de tous les jeux du genre, allez-y, essayez de tester le jeu. Sinon, passez votre tour. Hein. Ça sert à rien de perdre votre temps là-dessus. Il y a largement mieux à faire sur la Super Nintendo, voire sur les autres consoles. Donc voilà. J'essaie de faire le tour. Donc je crois qu'on va encore avoir le Terminator qui sort du noir. Voilà. Donc dès que vous avez un plan noir, en fait, il y a un Terminator qui va sortir. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc on va passer à la suite. Je vais commencer ma critique du film Terminator Dark Fate, Terminator 6 pour faire plus simple. Donc ceux qui ne veulent pas l'écouter, bah, je vous laisse quitter la vidéo. Merci d'être passé. Donc je ne vais pas spoiler, je vais éviter de parler du scénario du film, de rentrer dans les détails. Donc rassurez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous n'apprendrez rien du film. Je vais faire des allusions, ceux qui l'ont vu comprendront, donc je vais m'arrêter là pour les détails. Donc Dark Fate se fait absolument défoncer dans la presse, c'est un truc de malade. A priori aux États-Unis les premiers retours étaient plutôt bons. En France, c'est une catastrophe. Même sur YouTube, on a des mecs qui font des reviews de Terminator et c'est une catastrophe. Déjà rien que dans les petites vignettes, on voit directement c'est de la merde, c'est de la daube, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi James Cameron? Pourquoi? Parce que oui, il faut savoir que ce Terminator est la suite du deuxième, en fait, il oublie les suivants, Terminator 3, Terminator Renaissance et Genesis. Donc c'était un petit peu une nouvelle trilogie, si vous voulez. Enfin, lui voulait repartir sur une nouvelle trilogie. Mais bon, à mon avis, ça ne se fera jamais. Hein, vu la cata qu'on a tous les jours, on en apprend un petit peu plus. On a des critiques négatives qui apparaissent sur tous les sites. Allez voir sur Allociné, par exemple, hein, on a un festival là-bas. Donc je vais m'expliquer rapidement ce que moi j'ai pensé du film. En tant que film Terminator, c'est pas bon. En tant que film d'action, c'est quand même plus que correct. Donc là, ça fait maintenant une dizaine d'années que les films Marvel explosent de box-office, que ce soit américain ou dans le monde. Donc, la plupart des films essayent de copier en fait cette représentation du film, du cinéma, pour faire simple. Hein. Et est-ce qu'on aurait pu avoir un film Terminator différent? Ben, je pense pas. Je pense que c'était la suite logique. Il fallait se caler sur les films Marvel. Rappelez-vous, même DC Comics a essayé de faire son propre univers, un peu plus sombre, un peu plus dark, comment dire, plus de tristesse, mais ils sont vite revenus à la mode Marvel, plus d'action, plus de comédie. Et là, t'as les mecs qui sont surpris, qui n'ont pas vu venir le truc, alors que tout le monde le savait, rien qu'en regardant les bandes-annonces, on avait compris que c'était un film typé Marvel, faut arrêter les conneries, ça allait pas être un Terminator type film d'horreur, thriller, action. Tout ça, c'est terminé, ce cinéma-là est mort et enterré. Peut-être que ça reviendra avec le temps, c'est comme la mode, hein, ça reviendra. Peut-être dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, quand on sera plus là, à voir. Mais ce Terminator, on était sûr que ça allait être un film d'action par excellence. Ça allait péter dans tous les sens. Oh, je crois qu'il n'y a même pas d'immeuble qui s'effondre hein, de mémoire. Bon, j'ai vu le film il y a un peu plus d'une semaine. Hein, je l'ai vu directement à sa sortie. Mais voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est ce que la plupart attendaient. Les mecs intelligents, c'est ce qu'ils attendaient. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de nous prendre pour les cons. Faire les beaux. Déjà, les beaux qui vont se plaindre sur YouTube, c'est ceux qui sont allés le voir Day One. Hein. Donc, les mecs, pour faire des vues, ils sont là. Pour aller critiquer les films, ils sont là également. Donc, là, tout ça, moi, je vais pas rentrer dans ces histoires à la con. Je suis pas là pour faire la guerre à James Cameron, ça sert à rien. Moi, je suis allé voir ce film pour Linda Hamilton, pour Arnold Schwarzenegger, pour voir le T-800, pour voir Sarah Connor. C'est tout. Je suis pas allé voir pour autre chose. Je suis pas allé voir pour voir de l'avancement dans l'histoire de Skynet, autre connerie de ce genre, puisque je savais que ça n'arriverait pas. Au fond de moi, bien sûr que je l'espérais un petit peu, mais je le savais que ça n'allait pas arriver. J'en étais sûr et certain à 99,9%. Donc en tant que fanboy de ces deux personnages, oui, j'ai apprécié les revoir. Oui, j'étais content de les revoir à l'écran. Oui, j'étais content de retrouver leur doubleur, puisque même Linda Hamilton retrouvait sa doubleuse de l'époque. Doubleuse de Marge Simpson aussi également, je crois, à confirmer, il me semble que c'est la même personne. Donc Terminator, c'est voir Schwarzenegger avec la gueule à moitié arrachée. C'est pour ça qu'on aimait Terminator aussi. C'était aussi le visuel. Et là, on l'a dans ce film-là. Donc le scénario est tout pourri. L'histoire ne sert à rien. Les reprises dans les différents films sont limite honteux. C'est du foutage de gueule. Ils n'ont pas eu d'idée en fait pour faire ce film-là. C'est triste. Évidemment, c'est triste. Mais on a quand même des motifs de satisfaction. Donc ce qui est devenu le T-800.
Je vais pas revenir là-dessus, c'est. Je me suis arraché les cheveux au cinéma, hein, comme tout le monde. Mais c'était quand même Schwarzenegger qui reprenait son rôle iconique dans la saga. Qui se battait. C'était la machine, c'est tout. Qu'il ait 72 ans ou pas, il était là. Donc. C'était aussi un petit peu le summum de Schwarzenegger au cinéma, parce que je pense pas qu'il retrouvera un rôle de ce type. Il est trop vieux, faut arrêter les conneries. Même si, pour moi, il fait encore le job dans ce film. Ils ont trouvé une histoire bidon pour raconter qu'il est vieux, blablabla. Donc, pareil, hein, je vais pas spoiler, donc je peux pas vous en dire plus. Mais le faire revenir encore une fois, vu la suite du scénario, c'est impossible. J'ai envie de le dire, mais je vais pas le dire, sinon je vais spoiler. Mais voilà, Terminator avec Schwarzenegger, pour moi, c'est terminé. À moins qu'il le fasse revenir, mais en mode jeune. Mais même vu la fin du film, c'est problématique. Sincèrement, c'est très problématique. Donc voilà, donc moi, ce Terminator, il faut vraiment le prendre comme le T-800. Voilà, comme voir un film de robot d'action, on sait qu'on va pas s'ennuyer, que le scénario va être passé au deuxième, voire troisième plan même. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais pas plus commenter que ça. Pour moi, c'est comme ça qu'il fallait prendre ce Terminator. Et puis les mecs là qui critiquent ce Terminator, c'est aussi ceux qui vont encenser les films Marvel. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Ou c'est juste pour faire des vues sur YouTube. C'est aussi les mecs là qui vont aller voir Aladdin au cinéma, juste pour critiquer le film et faire des vues sur YouTube. Donc moi, je vais pas rentrer dans cette polémique. Puis je peux également prendre un autre exemple, le film Glass par exemple, qui était la suite d'Incassable, qui était sorti en 2000. Glass est sorti en début d'année 2019. Ils ont gardé un petit peu l'ambiance de film d'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont critiqué. C'est un film de super-héros. Il n'y a rien qui explose, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a que dalle, on se fait chier, c'est un film de merde. Donc voilà, eux, ils ont essayé de garder l'esprit d'origine du premier film. Bah, ils se sont fait défoncer par la presse. S'ils étaient partis dans un film type Marvel, ils se seraient fait défoncer dans la presse également. Donc moi, j'ai adoré Glass, hein. Je vous le dis franchement, j'ai surkiffé. C'est un film que j'attendais depuis bah, 19 ans. J'ai toujours attendu une suite d'Incassable, même sur Internet, je tapais régulièrement Incassable 2. J'ai même lu des fanfics de gens qui avaient écrit le deuxième, à quel point j'avais adoré le premier film. Et bah, ça n'a pas marché, mais. Quoi qu'il arrive, ça se serait mal passé pour eux. C'était impossible de faire une suite à cette période. Ça aurait dû sortir à l'époque. Ça n'empêche pas d'avoir aimé. Toutes les personnes qui sont un peu du même avis que moi, ben, ils ont apprécié le film. Ils l'ont regardé à sa juste valeur. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres tests ou let's play ou ce que vous voulez, les gars. Donc portez-vous bien. Ciao!